This is short rotation coppice willow. Its impressive growth rate and the ability to resprout from the stool that is left after harvesting are what make this plant incredible. After cutback, willow stems can grow as much as 4 meters tall in the first year and as much as 6 or 8 in the third year. Willow can be coppiced 6 to 8 times, giving the plantations a lifespan of around 2 decades. The length of the harvesting cycle depends on the productivity of the site, so it can span from 2 to 5 years. It enriches the soil it grows in, but also favors the proliferation of earthworms and promotes bird diversity and density. Willow significantly improves groundwater and soil quality thanks to increased carbon sequestration. Let's talk energy characteristics. A hectare's worth of willow wood chip at 20% moisture has the same energy content as 4,500 liters of home heating oil. Besides being used as a fuel, willow of course has other applications. For example, the extract can be used in the cosmetics industry. À encourager toutes les initiatives, tous les projets de production de biomasse jusqu'à sa transformation pour une utilisation finale, que ce soit en énergie renouvelable ou en produits et matériaux. Les espèces que l'on utilise couramment, c'est par exemple le saule, ici que vous voyez sur le terrain. C'est une espèce très intéressante en termes de production de matières premières végétales et au niveau aussi de l'impact environnemental qui peut être très intéressant au niveau du sol pour aussi améliorer le sol, mais également pour une qualité de la biomasse qui sera utilisée dans différentes filières. Donc on parle par exemple d'une plantation pour lutter contre l'érosion des sols, mais aussi sur une pollution qui peut être résiduelle sur le terrain. À ce moment-là, on va utiliser le terme phytoremédiation. Les surfaces pour produire, c'est assez figé. Et donc, on a besoin de reconquérir d'autres espaces. On se retrouve justement sur des sites dits marginaux, donc qui sont abandonnés. On a affaire à des friches, par exemple. Et il y a toute une importance de réinvestir ces lieux avec une production de biomasse, et ce, de manière durable. On est donc sur un ancien site minier où il y a eu une plantation de saules depuis 2012. L'idée, c'était de voir l'impact sur la qualité du sol, parce que généralement, on a affaire à des sites qui ont été détruits par une ancienne activité industrielle. Et on peut aussi agir sur la pollution via la technique de phytoremédiation. Tous les sites marginaux ne peuvent pas accueillir une culture végétale. On va aussi axer notre choix en fonction des filières de valorisation de proximité. L'idéal ici, dans le cas du Martinet, le site sur lequel on est maintenant, c'est d'utiliser le broyat de saule dans une chaudière qui sera vraiment à proximité, donc dans les 10 km. My name is Henrik Bach. I'm a grower of short rotation coppice willow on a farm in Denmark, where we have grown willow now for 25 years. We decided to grow the willow because we see it as a crop which is much more flexible, and it fits very good with our view on environmental friendly growing. We grow everything organic, and we see it as a crop which is much more robust than the annual crops we have. We can grow without any pesticide, no chemistry used, no compound fertilizer, and we can actually make a good product to the end user. From the beginning, we use the willow for combustion. Today, we deliver it as a fertilizer, as a compost. We produce chips for mini wetlands to denitrification. We are producing an extract from the willow we use for cosmetic and for food supplement. And we are going to see new products coming up with the willow. We have a farm about 450 hectares in East Germany. I'm in the SRC business, in the willow business, since 15 years. Willow is a sustainable crop which is producing sustainable energy over a very long period. Most important barriers are
the availability of technique for the SRC. Another barrier is a psychological barrier that farmers have not a long experience in growing willow. Willow is a very young crop. You have quite a lot of environmental advantages, and the potential is depending very much upon the political conditions around the plant.